au départ, le projet était plus sur un magasin zéro déchet. La réalité des magasins bio et le besoin d'avoir une offre complète et tendue a fait que on a été obligé d'adapter nos rêves, on va dire, à la réalité du besoin de nos clients et du marché. Ce qui nous a plu, c'est qu'en fait, tout de suite, notre projet était pris à bras le corps, en fait. J'avais l'impression d'avoir des gens qui allaient ouvrir le magasin avec moi, en fait. Je crois que le challenge leur a plu. Ils sont venus avec nous avec un vrai concept, avec une vraie idée. Donc l'objectif était de lui apporter un concept propre à l'enseigne et aussi à l'image souhaitée pour le magasin. Un contexte chaleureux, accueillant, une image bio, et tout ça dans un format de moins de 120 mètres carrés. Donc ici, c'est une réalisation 360 degrés, puisque nous sommes partis d'une page blanche, en commençant par l'équipe design jusqu'à l'installation finale du magasin. Et en fait, H&M Y, pour le coup, nous a proposé un concept complet, c'est-à-dire meubles, mais aussi toute la décoration intérieure, des idées qui nous ont plu tout de suite, qui nous ont permis de nous projeter. Les gens, quand ils découvrent le magasin, sont contents, voient que finalement, l'agencement nous a permis de mettre beaucoup de produits pour un magasin de notre surface, ce qui est plutôt un atout. Et en plus, le magasin est très aéré. Il y a eu beaucoup de bonnes idées, en fait. Et du coup, voilà, ça correspond exactement à l'idée qu'on se faisait du magasin avant son ouverture.